Fait que là, si on regarde la map, ça c'est le marché. Salle de danse, parce que qu'est-ce que je veux? Forgeron, c'est là que je veux aller. Il faut monter de 1 et aller à gauche x 2. Ça, c'est ici. Logiquement, ce serait le forgeron qui pourrait peut-être nous aider. Allez, chez Forgeron de Sobrosa, nous sommes les meilleurs de tout le pays et les deux derrière ne travaillent que sur des objets de valeur. Moi, je suis le manager. Le maître parle. Vraiment? On ne peut pas tromper le maître. Il dit que vous avez une très belle cloche. Il m'a pas proposé de la polir. Voulez-vous qu'il le fasse? Transmettez à la flotte. Nous partons. Maintenant! Ciao, ciao, Ramakata, les bonnes nuits. Demain, j'ai mon entretien dans le poste. Souhaitez-moi bonne chance. Ça devrait bien aller. Tu pourras nous écrire sur le Discord si ça a bien été, mon cher. Prends soin de toi, repose-toi bien et vas-y une étape à la fois. Pas besoin de overthink à qu'est-ce qui se passe. Ça sera demain que tu vas pouvoir t'en occuper. Fait que pour ce soir, repose-toi bien, ça va bien aller. Merci d'être passé, très apprécié. Juste au moins, c'est comme ça que tu demandes une faveur. Reviens plus tard. Ok, t'es vraiment sérieux, faut pas que je dise oui. Faut vraiment que je dise genre oui, vas-y, fais-le tout de suite, là, maintenant. Arrête. Oui, ok, il n'a pas proposé de la polir, voulez-vous qu'il le fasse? Ok. Quelle volonté, droit au but! Maître, c'est parti! Désolé pour l'attente, c'est pour ça qu'il y a un maître, il est le meilleur travail de tout le coin. Prends-le et traite-le comme un bijou de famille. La cloche des pirates, gong! Là, maintenant, on va aller porter la cloche des pirates à notre chat pirate. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Fait que je me souvenais, parce que Wallet l'avait fait de son côté, je me souviens qu'à ce moment-là, on essaie de se retrouver qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. Il y avait juste cette partie-là que je me souviens vraiment, qu'on essaie de trouver qu'est-ce qu'il fallait faire. Et c'était quand même assez complexe pour rien. C'était surtout pour rien. C'est ça le pire. Fait que là, on peut se retéléporter et on va aller en bas complètement. Dans le village d'Oron. Dans le village d'Oron, on va pouvoir aller à gauche et pouvoir aller se rendre à Subrosia très rapidement. À partir d'ici, et on va pouvoir aller donner la fameuse cloche. Bonjour. 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 Aïe aïe, Captain. Hein? Tu m'as trouvé ma cloche? Merci, mon gars. Il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de lézard. Cette cloche est chargée de souvenirs, mais c'est pas que des bons. Me voilà tout mélancolique, pas toi? Larrien les amarres, on a pareil. Quelle voix, elle ressemble à... Mais ce n'est pas... Ça, c'est une séquence de plus, par contre. Capitaine, je rêve réveillé. J'ai fait un long voyage à travers le temps, et je n'aurais jamais pensé te revoir un jour, et surtout ici. Ambi? Non, c'est un rêve. Je pensais pas qu'on allait se revoir un jour. Quand je pense à notre séparation, ça me fait mal. Malgré toutes ces années, tu es toujours aussi jolie. Tu n'as pas changé d'un poil. Tout pareil, et ce n'est un peu dans mon point. Ambi, je resterais bien avec toi si je pouvais, mais... Je justifie pas. Je comprends. Tu es un voyageur des mers. Tu as du mal à vivre sur la terre ferme. Mais tant pis, je t'attendrai toujours. Oh, Ambi. Oh, Capitaine. Oui, une histoire d'amour qui se passe maintenant. Ici les voiles, matelot. Oui, monsieur. Pourquoi il y a une pseudo-histoire d'amour qui est en train de se passer pour aucune raison? Que se passe-t-il ici? Pas encore un truc genre fanservice bizarre entre un hérisson et une princesse, hein? Au rapport, mon capitaine! Le bateau est réparé. Nous pouvons partir quand vous voulez. Tout ce bateau! On aller dans le bateau, let's go, embarquer, merci. Moi aussi, je vais y aller. Salut. Yo-ho, on y va, matelot. Levez l'ancre. Et je comprends pas pourquoi la cloche, c'est ce qu'on avait besoin pour faire traverser le bateau à l'intérieur du sable qui va nous faire ressortir de l'autre côté. Parce qu'on est rentré à travers l'autre monde, d'un côté comme de l'autre. Capitaine, désert droit devant. Gardez le cap, prenez large. Mais c'est impossible. Idiot, ça passe ou ça casse. Faut donner tout ce qu'on a. Bien, monsieur, au secours.
Et pas trop sûr, hein. Oh oh. On a réussi, Capitaine, la mer. Par Saint-Georges. Oh oh, matelot, nous y voilà. Oui, monsieur. Ah, la mer, c'est chez moi. Mon cœur bat à nouveau. Sonnez la cloche. Et qu'en gros, il est vraiment sorti du sable pour après se rendre jusqu'à la mer. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow. Il a l'air de bien aller, lui, hein. Je fais ça pas bien. Excusez-moi en passant. Petit haut de mer, hein, qui vient d'arriver. On est resté trop longtemps à terre. J'ai le mal de mer. Oh, Surtout, c'est en train de devenir fou, hein. C'est inutile, pensez-y. Nous n'avons pas navigué depuis notre mort. Ok, même le capitaine, hein. Vous prétendez pirates, vous êtes rien que des mauviettes à avoir le mal de mer dès qu'on hisse la voile. C'est... Oh, on accoste. bien, monsieur. Des pirates qui ont le mal de mer. C'est pas vraiment des pirates, ce rendu-là. Ça se passe pas si bien que qu'est-ce que c'était supposé se passer, hein? Donc le bateau arrive directement à l'emplacement qu'on va être capable de pouvoir traverser et pouvoir aller d'un côté comme de l'autre. Oh, jetez l'ancre! Faut qu'on retrouve le pied marin, on va se reposer un peu. Ah, merci, hein. Donc c'est à partir d'ici qu'on peut traverser d'un côté comme de l'autre. Fait que ça, c'est vraiment pratique. Salut Bazette! Juste avertir déjà de base, je n'ai pas encore fait ta commande, je vais faire ça pour demain. Eu un gros week-end, pas trop eu le temps. Donc t'inquiète pas. Mercredi, je me marque une note, c'est fait. Et mercredi. Mais j'espère que ça va bien. Si tu me parles déjà à cette heure-là, c'est que soit tu finis plus tôt, soit que tu travaillais pas aujourd'hui. Probablement un des deux. Rester assis à l'intérieur m'a rendu malade. Cool. Cool story, bro. Ça, c'est sûr et certain que l'arbre, il y a quelque chose qui est caché. C'est écrit dans le ciel. Là, lui, il va me voler mon cash, right? Shit, ne dis rien. Ok, non, il me donne de l'argent. Here comes the money. Money, 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 money. Pour inverser la grotte du héros, ça sert à avoir l'épée de niveau 3. Je savais même pas si je voulais faire pour avoir l'épée de niveau 3 ou non. Moi, dans ma tête, la grotte du héros, c'était peut-être obligatoire. Fait que... Peux-tu entendre mes regrets? Oui, vas-y. Je travaillais à la bibliothèque à Labrina il y a longtemps. Juste parce que j'entends des secrets, je suis devenu comme ça. Pour remettre les choses au clair, je veux que tu entendes un secret. Écoute mon secret. Ça doit être un code. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai compris. Une très vieille histoire. Okay. Donc ça, c'est un autre code qu'on aurait pu utiliser dans l'autre jeu. Directement, ça veut dire que sinon, il n'y aurait personne dans cette maison-là. Fait qu'il y a pas mal de choses entre un jeu et l'autre qui ont enlevé et qui ont mis d'un côté comme de l'autre. Qui rend quand même l'expérience... Je ne vais pas dire complète. Et qui la rend un petit peu plus sympathique. Et là, c'est pas le printemps qu'il faut, c'est l'été que je veux. Parce que l'été, je vais être capable de traverser avec la liane de l'autre côté. Et c'est l'été qu'il y a des lianes. Et qu'on est capable de monter. Ça reste l'été, là, logiquement, ça devrait rester l'été aussi. Eh oui. Il y avait un coffre qui était ici, right? Là, là. Venez de ça. Comme la gare en rouge, ça sert à avoir l'épée Bigoron. Comme la gare. La gare? Pas sûr, la gare. La gare, la gare, la gare. Il doit y avoir quelque chose avec la gare, peut-être. Ou peut-être c'est un autocaractère, ça se peut, ça aussi. Ok. Je voulais dire le goron. Comme le goron rouge. Ah, ok, ok, ok. Oui, le fameux goron rouge qui était à un moment donné là, qui était de Oracle of Age, qu'on a vu à un moment donné. Comprends. Comprends, comprends. Et là, on est directement dans le... Là, ici. Ok. Niveau 7, crypte étrange. Très simple comme donjon.
Il n'y a rien de plus, hein. C'est crypte étrange. Rien de plus, rien de moins, hein. En même temps, j'avoue qu'il y a un donjon licorne. Ça, il semble avoir différents... Tu t'es arrêté de me lancer des trucs, merci. Il y a un coffre qui est déjà là, qui est ici. On peut sûrement avoir plus haut. Et ça, le hibou, on va quand même lui demander de l'aide. C'est comme disait quelque chose d'intéressant. La source de la malédiction est dans les ténèbres. La source de la malédiction est dans les ténèbres. Et probablement que quand je suis dans les ténèbres, c'est quelque chose que je n'aime pas, right? Puis avant que le feu ne s'éteigne ou sinon, on va faire ça rapide. Limite. Hein. Ok. Il est apparu à l'autre bout du monde que je vais pas pouvoir le taper deux fois. Merci. Petit coffre ici. Première clé. Hop. Ça peut rouvrir une porte de donjon. Est-ce qu'il y avait un autre emplacement qu'on pouvait peut-être se rendre qui serait logique? C'est sûr et certain qu'on peut pas se rendre plus haut. Hein. Pas possible à partir d'ici. Ça, ça va être plus tard qu'on va pouvoir allumer ça ici. J'ai sûrement rien à pousser. Ok, on va aller de l'autre côté, I guess. Hein. On est rentré directement dans le donjon, mais elle nous a pas plus aidé pour savoir exactement ce qu'on fait, ce qu'on devait faire. Aller à droite. Et c'est vraiment le début de donjon le plus bizarre que j'ai vu. Hein. Aller complètement à gauche, monter pour aller à un emplacement précis, pour après juste aller ouvrir une porte. Ça se prend, hein, guess. Ça, c'est parce que je suis tous les ennemis que je vais avoir quelque chose. Oui. Un anneau, okay. Fait que c'est pas quelque chose qui nous sert dans le donjon littéralement. Mmh. Ici qu'on a besoin du lance-pierre, pap, et papa les papes. Ouh, casser ma malédiction, tu es fou, et c'est toujours. Toi t'es mad? You mad bro? Petit fantôme avec une épée qui fait que je me fonçais dessus. Pas mal, mais ça ne marchera pas toujours. Et fait que ça, vu que c'est allumé là, est-ce que ça veut dire que l'autre côté, ça va rester allumé aussi? Smart move. Fait que là, vu que ça reste allumé ici, ben, je suis capable de faire plusieurs choses ici. Donc, prendre ce coffre. La boussole. Un coffre plus bas. Hmm. Juste aller voir pour être sûr. Ok, non, c'est ça, c'est dans cette pièce-là que c'est le coffre qui est là. Ok, fine. On est en business, ce n'est pas un problème, on peut continuer. Ça va rester allumé, ça c'est cool. On est capable de pousser ça, et ça on est capable de pousser ça. Pour monter ici. Je peux pas les tuer, mais avec le boomerang, right, je peux. Hein. Ouais. Boomerang OP! Bon, juste le boomerang V2 qui est OP. Ça de même, ça de même, et ça de même. On va tout de suite aller en bas, même si c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on aille tout de suite en bas, mais on va vivre avec notre choix qu'on a décidé d'y aller tout de suite. Hein. Une clé qui a besoin d'ici. Est-ce qu'on avait d'autres choses qu'on était capable de faire? Merci, ça, c'est sympathique, j'adore. J'adore beaucoup, monsieur. J'aurai besoin du métro gant. Du métro, du magnéto gant, plutôt, du métro gant. Hop, hop.
J'adore les messieurs tout le temps. Salut Wallet. Comment ça va? Tu peux voir, ça a bien été la quête des squelettes. J'ai cherché. Pour me souvenir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Je me souvenais plus comment la partir. C'est juste ça qu'est-ce qui manquait. Que le code qu'il fallait, le fameux 3-3-3. Attends, c'était 3-3-2-1-1-4-4-4 ou on a pas la même. C'est qu'est-ce qu'on était pris. Ok. C'est-tu si facile que ça? Je pensais que c'était facile de même. Correct. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait tout, si je comprends bien, right? Ah, c'était ce pirate de piste. Eh oui. Si je fais ça. Si je fais. Ça. Ça. Merci. Fait que non, c'était juste ça. C'était comme le petit code que c'était un petit peu plus tricky que qu'est-ce que je pensais. Puis après, le reste était chill parce que je me souvenais qu'on avait vu quelques trucs ensemble. Fait que ça avait comme bien été pour ça au moins. Ah, y avait-tu une porte à droite? C'est juste moi qui est fou. Sûrement qu'il y a une porte, mais plus bas. Ok, fou. Le bruit le plus gossant de la planète! Merci. Tellement gossant comme bruit ça, là. Je peux pas avoir un bruit plus gossant que ça. Même le bruit genre de Baby Mario dans Yoshi's Story est pas si pire que ça. Donc là, on a une clé, mais je vais pas aller là tout de suite. On va aller à gauche en premier, puis à droite. Deux emplacements qu'il y a peut-être quelque chose de bien que je peux avoir tout de suite. Ça, c'est ma logique. Dans tous les Zelda, je le fais toujours. C'est de chercher les autres choses qui sont avant pour être sûr et certain de ne pas faire n'importe quoi. Ah, ici. Oh, Gamer Move encore une fois, Mad Bob. Là, je suis juste curieux. Si je m'en vais vraiment loin par là. S'il y a quelque chose qui est caché ici, mettons. Nope. Il aurait pu avoir peut-être un petit quelque chose qui soit caché plus proche par là, mais finalement non. Fait que, deuxième clé de réussi. À droite, il semble avoir quelque chose aussi. Peux-tu cheater le truc en le poussant genre d'une certaine façon? Nope. Pas possible. Et sinon, comment ça va, Wallet? J'espère que t'as passé une belle journée. Ça a bien été. Là, ça a été un lundi chill. Pas comme j'expliquais, ça reste un lundi. Je suis pas un méga fan des lundis dans ma vie. Et je pense que personne n'est fan des lundis de toute façon. Fait que. Pas mal ça que ça a été. Hein. Deuxième clé qu'on peut utiliser à droite ou à la gauche. Puis avant que le feu ne s'éteigne ou sinon. La vie va. Bon, ok. Ok, ça c'est bâtard par contre. Ça là, je vais le dire, c'est quand même bâtard. Pour faire le chemin là. Pas vraiment cool, développeur de jeux vidéo, hein. C'est pas vraiment sympathique, je n'aime pas vraiment cette idée. On va pas aller par là. Ça, ça servait à rien. Jump ici, c'était par ici. Fait que là, c'est surtout de souvenir par où qu'on doit passer. Il reste une autre paire de manches. Hein. C'est par ici. Ça, juste pour le fun. J'ai envie de le tester de même. Non, je peux même pas. Ah oui, je peux. Jusqu'à pas tant d'utilité de le faire par là, mais qu'est-ce qu'on peut le faire pareil. Ok, là c'est vrai, ça va changer, c'est pas les mêmes. Celui? Non. Je check ça juste pour me faire chier, ça va être celui qui est à l'autre bout du monde, hein? Bien sûr. Mais oui, c'est clair. On attendait que ça, hein, voir celui qui est à l'autre bout du monde. Pousse, 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 pousse. Merci.
Par en bas. Et on va tout de suite aller à droite. On va se faire avoir encore une fois. Hein. C'est ici qu'on doit allumer quelque chose. Fait que si on y va avec la logique, on peut faire ça. Puis ça. Fait qu'on va courir vite pour allumer tout ça. Speed! Tu n'es pas briser ma malédiction, je me laisserai pas faire comme ma soeur. Comme ta soeur. Ok. Je vais te montrer que ta malédiction, ça sert vraiment rien d'autre. Ok, t'es gossant par contre avec des boules de feu. Oh non. Ok, je reste plus dans la crypte. Ok, ciao, bye. Qu'est-ce qu'on tient? Merci. Et finalement, il fallait juste que je bois lui, puis après j'étais chill pour pouvoir traverser de l'autre côté. À moins que ça ici. Ok, attends. Think avec ton cerveau, Mad Bob. 1, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Fait que drette là. Genre drette là, là. Et si mettons je pousse ça de même, ça marche pas. Je viens de me bloquer. Je pensais que je venais de me bloquer de la pire façon inimaginable au monde. Hein. Oui, ça va, excuse, j'étais dans la douche, mais oui, j'ai dormi et je venais de faire mon tapis. Mon tapis? Quel tapis? J'aime ça dire à chaque fois quel tapis. Je veux que tu dis ça. Juste pour le fun de juste te faire répéter parce que je le sais de quel tapis tu parles. Use the power link. Je sais que t'es capable de pousser ça. Merci. Je sais que t'es pas calme. Mais oui, ça va bien sinon de mon côté. Je veux que j'explique un petit lundi. Pas un méga fan des lundis, mais on vit avec. Hein? Mais on avance bien à date à l'Oracle of Season pour pouvoir le finir ce soir. C'est mon objectif, comme j'expliquais. Ça, c'est chiant qui me cancel mon épée. C'est ça. Je pense que ça va bien aller pour qu'on le finisse ce soir.